I look at your smile, and I know I've been searching for someone like you. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. En fait, j'ai commencé à 14 ans de jouer la batterie et donc j'ai pris des cours de batterie au conservatoire à Luxembourgville. Et après cela, je me suis déplacé vers l'Hollande, en fait, vers d'autres enseignants de batterie. Et j'ai appris à l'université, en fait, également le piano, l'arrangement et la composition de musique. Voilà, donc, et maintenant, ça fait 10 ans que je produis des CD, différents groupes de musique et chanteurs, chanteuses. The only one, can you feel, you're the only one I trust. Le 20 octobre a eu lieu le mariage de Prince Guillaume et de sa comtesse Stéphanie au Luxembourg et ta chanson I'm in Love, interprétée par Déborah et Christophe. Comment est venue l'idée de créer une chanson pour cet événement? Ben, l'idée est en fait venue parce que c'est un jeune couple et je pensais que c'était une bonne idée d'avoir une chanson moderne, une chanson pop qui pourrait accompagner qui, en fait une image sonore pour qui pourrait accompagner le mariage et éventuellement également une visibilité internationale pour les artistes, pour Déborah, Christophe et voilà pour la chanson. Comment était la réaction de la cour grand-ducale? Bah, le jour que je suis arrivé avec les CD, c'était, voilà, j'ai amené un petit portable, une sono portable, et j'ai donc joué les CD. Et je me suis dit, ok, maintenant c'est le moment, soit c'est ok, ou soit c'est, ils ne vont pas l'aimer, mais ils ont tout de suite aimé. Et la dame de la cour grand-ducale, elle a dit, alors je vais présenter cela au prince demain. Et donc, voilà, et le prince, apparemment, il était. Très heureux d'entendre. Peux-tu nous expliquer en quelques mots de quoi ça parle la chanson, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? Bon, la chanson, elle parle d'amour. C'est le thème général de la chanson, c'est le fil rouge. Et j'ai essayé un peu dans le texte de reprendre des moments, voilà, spécifiques du mariage. Par exemple, tout le monde peut nous voir. Le jour-là, c'est un jour important. Et, alors, il faut qu'on se fasse confiance l'un à l'autre, des mots comme ça. Quelle était ta réaction quand la cour grand-ducale a annoncé que ta chanson devient la chanson officielle de la célébration du mariage princier? Voilà, donc c'était un honneur hein, d'entendre cela. Et je savais du moment-là que ça allait être redit et utilisé dans les médias. Et une grande chance et voilà, un grand honneur. Comme nous avons dit tout à l'heure, Christophe et Déborah ont interprété la chanson. Comment avez-vous trouvé ces deux artistes? Il y a eu un casting ou c'était déjà clair depuis le début que ce sont ces deux artistes qui vont interpréter la chanson? Il n'y a pas eu de casting du tout. En juin, on a collaboré sur un projet de la fête nationale au Knödler, ensemble avec le groupe Funky P. Et c'est là que c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble, Déborah, Christophe et moi. On s'est bien entendu, je trouve que c'est des chanteurs exceptionnels. En fait, j'ai cherché un couple qui chantait la chanson, la balade, tout de suite j'ai pensé à eux deux. Comment c'était la réaction des deux? Ils étaient. Au début, j'ai dit, il y a une idée, il y a éventuellement quelque chose qui va se faire, mais j'ai dit non, il ne faut pas dire à quelqu'un, il faut rester discret et tout. Donc, ça s'est développé lentement. Hein. L'idée est venue en août, donc ils ne savaient pas exactement si ça va se faire ou pas, mais je pense qu'ils étaient contents. Quand tu as eu l'appel de Joël pour interpréter la chanson avec Déborah pour la musique du prince Guillaume et sa comtesse Stéphanie, ça t'a fait quoi?
Bah, j'étais déjà très content que Joël m'a appelé. Ça fait déjà quelques projets qu'on a fait ensemble. Et pour moi, ouais, c'était très... Mais j'étais très content parce qu'il me fait confiance dans ces trucs que je fais, dans la chanson, de trucs pop, voilà. Et ouais, j'étais très content. C'est plutôt un autre style de musique que toi tu chantes principalement, non? Ben, principalement, j'ai mon premier groupe, c'est un groupe de funk. On fait plutôt pas de la musique si calme et voilà, on fait pas de balades. Mais pour moi personnellement, moi j'aime bien le pop, les balades et les trucs un peu acoustiques. Et ça c'est déjà très très calme. Normalement je fais un peu plus des trucs un peu plus rythmés, mais je me sens bien dans ce domaine. Ouais. Comment s'est passée la séance en studio pour enregistrer cette chanson? Est-ce que vous avez contribué au texte ou c'est carrément un texte qui était déjà prêt et que vous avez dû juste chanter? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu tout de suite ou toi, principalement, tu aurais voulu changer quelque chose? Ben, Joël, il est venu au studio avec une proposition de texte et quand on la lit et quand on la chante, ce sont deux différentes choses. Et là, pendant les enregistrements, j'ai remarqué, oui, il y a des phrases qui ne marchent pas trop bien. Alors, il m'a laissé changer. Et, voilà. Ben, disons, du fond du texte, je ne pouvais pas changer. Je ne pouvais pas changer le sens. Mais je pourrais changer les phrases. Ouais. Et voilà. Mais c'est une production de Joël, c'est son texte, c'est sa musique. Voilà. Et donc, je suis interprète et je suis resté très proche de ces coordonnées. Ta famille a réagi comment suite que la chanson est devenue la chanson officielle du mariage princier? Ben disons, mes parents ils sont toujours un peu plus réservés. Ils ont dit ouais, si t'as envie de faire ça, fais ça. Mais bon, fais ton boulot et voilà, des trucs comme ça. C'est juste, mes parents ils sont comme ça. Et, par contre, ma tante, elle est, je dirais, un de mes plus grands supporters. Elle était très très contente. Et, mais mes parents, ils sont toujours un peu plus relax, ils disent « fais ton truc, mais n'exagère pas voilà. ». Comme tu sais, aujourd'hui, la chanson est numéro 1 dans les iTunes charts luxembourgeoises. Ça t'a fait quoi, toi? Bah, pour moi, c'était rien de spécial. J'ai téléphoné à mon cousin, Psy, tu connais Gangnam Style, c'est mon cousin, en Corée du Sud. J'ai appelé, j'ai dit « tu peux pas calmer ta vente un peu, comme ça, au Luxembourg, on aurait la chance de faire numéro 1 ». Ça marche, c'est un truc de famille. C'est... I'm alive.